Derrière les bateaux de la Fédération française, je me dis, tiens, il est là-bas, le pilote italien, qui est venu de faire chanter les Français. Troisième position le 31, Manson Mathieu, le 27, Gourgier, le 27, et le 28. Le 23, le 2, le 2. Voilà, on peut donc là, les appareils de l'avion, les bateaux de sécurité. Les bateaux de sécurité, les bateaux de sécurité. Donc, il y a tous les bateaux du champ, les pilotes, les bateaux de course, bien sûr. Donc, je vous assure que les gens de la sécurité sur l'eau méritent également vos applaudissements, parce que c'est un travail en bras de faire vraiment bon bateau. Attends, mais c'est des choses, c'est ça. En plein soleil. Voilà, donc il mérite de l'applaudissement. Et bien sûr, tous ces documents qui ont été mis à la roue sont partis du monde amateur. Il faut savoir que le mécanisme français est renommé dans le monde. Nous avons le champion du monde au sein. Je vais pouvoir évoluer le texte d'aujourd'hui, qui est le champion du monde depuis 3 ans, et qui est actuellement le troisième du championnat de 2017. Vous avez également des champions du monde d'endurance, car la majorité des pilotes sortent en endurance sont des pilotes français. Tout à l'heure, nous avons vu le bateau qui se rencontre dans les 120 km/h en point sur la ligne droite que vous sortir. Là, maintenant, vous allez voir évoluer les bateaux qui peuvent atteindre, voire même dépasser les 200 km/h sur la ligne droite. Là, ce n'est pas le cas, le circuit est à capacité. Donc, ça devient fortement à la tête. Thank you.
Je suis en train de faire des choses.